Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam-tam tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. À la une de ce magazine dont nous allons directement sur le continent africain où l'opposition n'a pas manifesté au Togo, le quartier général du Parlement était fortement quadrillé par les forces de sécurité pour l'ouverture de la séance parlementaire sur le budget de l'Assemblée nationale du Togo. Nous sommes également au Cameroun où, après la libération des leaders de la crise anglophone, les patriarches du Mfundi, du département du Mfundi, donc de la région de Yaoundé, demandent que des Bétis détenus dans le cadre de l'opération Épervier, opération de lutte contre les détournements de deniers publics, soient eux aussi libérés. Dans le cadre de notre débat radiophonique de ce mois, dont nous reviendrons donc sur le franc CFA. Depuis quelques mois que les réseaux se sont enflammés, ils s'enflamment davantage sur le rejet de cette monnaie qui est un symbole fort même du colonialisme. On reviendra dessus donc avec notre invité de ce soir. Il s'appelle Abdelaziz Moundé. Il est journaliste, activiste et il va nous rejoindre dans quelques instants. Le temps donc de vous souhaiter la bienvenue et de remercier votre fidélité. On va vous poser cette brève continuation musicale. Partout et son bel international. Olivier Dill, King et Yadi Harold, Donovan et Yadi King. Les amis le font que jubilé. Ta famille ne fait que jubilé. François Moïse de la Côte d'Ivoire. Tu vis avec un homme, tu ne peux pas connaître la personne qui approuve votre relation. C'est le jour où vous vous séparez, où chacun montre son visage, son vrai visage. Quand tu vis avec un homme, tu ne peux pas savoir la personne qui approuve votre relation dans sa famille. C'est le jour où vous êtes imparable, où chacun montre ses griffes, son vrai visage. Service de la culture, président Bambot, Maxime Sklova. Quand tu vis avec un homme, tu ne peux pas savoir la personne qui approuve votre relation dans sa famille. C'est le jour où vous êtes imparable, où chacun montre ses griffes, son vrai visage. Arlette Féguet de Paris, Jacques Elimbi, brasserie du Cameroun. Président Diop Diop, Cyril Fogico, voilà le travail. Les mariages aujourd'hui, c'est l'hypocrisie. On the track. Sikakosa, Roby sans poupelle. Sikakosa. Patrick Dipita, le monument. Dikosa. Oh, Dikosa, Sikana Nginya. Dikosa. Oh, Dikosa, Sikana Nginya. Dikosa. On va répéter. Dikosa, 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 Dikosa,
Daniel, Patrice Ngombizo, Alain Dexter. Joli Préso, écoute la frappe de l'heure. Jean-Jacques Vidéo, Tanko Dimenko. Balancez nos malocos. Tata Odile, grande dame. Balancez nos malocos. Pour la maman dit bah oui, je vais m'asseoir. Lélélélélélé. Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ensemble pour une cinquantaine de minutes d'informations et de débats sur l'Afrique et sa diaspora. Soyez les bienvenus. On vous annonce donc en titre au Togo, l'opposition n'a donc pas pu mobilisé dans ses partisans devant le Parlement ce matin, donc en raison de la sécurité renforcée. Le quartier général du Parlement était fortement quadrillé par les forces de sécurité pour l'ouverture de la séance parlementaire sur le budget de l'Assemblée nationale. Jean-Pierre Fabre, chef de file de l'opposition, dit au président que les députés n'ont pas l'esprit à travailler sur le budget national. Nous allons au Cameroun où, après la libération d'un des leaders de la crise anglophone, les patriarches Mfunzi, un département de la région de Yaoundé, demandent que des Béti, détenus dans le cadre de l'opération Épervier, opération de lutte contre le détournement de deniers publics, soient eux aussi libérés. Dans une lettre de 3 pages adressée au président camerounais Paul Biya, l'association des patriarches Béti autochtones du Mfunzi estime que les Béti écroués pour détournement des fonds publics ne méritent pas plus la prison que les contestataires anglophones qui, selon eux, ont brûlé les emblèmes nationaux. Selon eux, l'unité et la paix du Cameroun ne peuvent se faire sans le Mfunzi et sans la région du centre. Et je m'en vais donc vous présenter notre invité de ce soir qui est Abdelaziz Moundé. Bonsoir Abdelaziz. Bonsoir. Vous êtes journaliste et activiste. Aujourd'hui, vous êtes fait partie de ceux qui, aujourd'hui, lorsqu'il y a des questions qui brûlent dans l'actualité africaine, voilà, vous parvenez à rassembler les diasporas africaines. Mais ça, c'est notre invitation. C'est moi qui vous remercie de passer et de pouvoir instruire et partager des idées avec vos auditeurs. Tout à l'heure, on réfléchira ensemble sur le franc CFA qui est très fortement rejeté par les Africains. Mais cependant, sur la question anglophone au Cameroun, on a l'impression qu'aujourd'hui, au-delà même des contestations, on a le sentiment que les populations de ces régions-là veulent carrément qu'il y ait un fédéralisme. Oui, je pense que c'est de plus en plus apparent. Après, avec la libération de Paul Aya Abin et des leaders du consortium, on se rend bien compte que les mots d'ordre qui ont été lancés, ceux de des villes mortes, vous vous souvenez, pendant très très longtemps, tout au moins pendant près d'une année, les populations ont vécu dans les parties du nord-ouest, donc ces régions du nord-ouest et du sud-ouest qui sont les régions anglophones du Cameroun, ont respecté tout au moins le mot d'ordre de désobéissance civile qui avait été lancé. Donc après la libération donc des leaders du consortium et de Paul Aya Abin, les leaders du consortium ont lancé tout au moins un mot d'ordre pour que les enfants puissent repartir à l'école à la rentrée donc du 4 septembre. Mais malheureusement aussi, il y a un état de crispation très très grand qui est en train de monter. On se demande si finalement la question n'était pas de mettre de la pression pour que la question du fédéralisme soit posée sur la table et non pas uniquement de régler les problèmes corporatistes qui avaient été posés. Abdelaziz Moundé, aujourd'hui à l'observation, est-ce que vous pensez que les conditions sont réunies pour que un tel projet puisse avoir lieu au Cameroun, parlant de fédéralisme, à votre avis? Oui, mais je pense que le débat commence à avoir cours. Il y a ceux qui sont pour un dialogue national au Cameroun, c'est-à-dire qu'après la libération des leaders du consortium anglophone et d'un certain nombre de prisonniers qui avaient été détenus suite aux manifestations à Bamenda et dans un certain nombre de villes de ces régions anglophones du Cameroun, eh bien, le débat commence à avoir cours. Vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, mais non seulement sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la presse camerounaise, beaucoup de partis politiques, prennent position sur la question aujourd'hui. Mmh. Prennent position
Oui, sur la question. Alors, il y a le MRC, le SDF, le parti de Paul Aya Abine également, qui expriment des positions assez claires ou tout au moins ouvertes sur la question à la fois du dialogue national où on poserait le problème de la décentralisation, de la régionalisation ou du fédéralisme, ou tout simplement on irait à un référendum qui permettrait, comme en 1972, de régler la question de la réunification ou du retour à la fédération, comme ça s'est entendu ça et là. Donc je pense que le président Biya avait déjà, dans son discours, dit que le Cameroun est un et indivisible. Est-ce que dans l'unité et l'indivisibilité, on ne peut pas avoir une possibilité de fédéralisme? Est-ce que l'unité signifie une république au sens de ce que nous avons depuis 72 et confirmant qu'on passe avec le changement de la République unie vers la République du Cameroun? Est-ce que le fédéralisme peut saper, signifie saper l'unité et l'indivisibilité du Cameroun? On a très bien vu qu'il y a une différence qui se fait déjà dans l'opinion entre ceux qui prônent la sécession, donc ceux qui proclament, hein, tout au moins proclamer l'indépendance d'un État qui serait l'État d'Ambazonie et qui font de l'activisme, qui se déploie vers les capitales occidentales pour revendiquer l'établissement d'un État souverain dans ces deux régions du Cameroun. Alors évidemment, à titre personnel, ce n'est pas ma position. L'ouverture que je peux avoir sur le plan intellectuel ou sur le plan citoyen peut concerner la question de la décentralisation avancée, de la réorganisation qui est prévue dans les textes de loi au Cameroun. Je rappelle que la Constitution du 18 janvier 1996 est très claire sur la mise en place de régions avec à la tête des élus. Sur la question de la décentralisation, le préambule de la Constitution du Cameroun est très clair. C'est un État unitaire décentralisé. Alors, on peut discuter des formes d'aménagement, mais sur la question de la sécession, à titre personnel, ce sont des options qui sont pour moi totalement exclues. Bien, merci Abdelaziz Moundé. On vous retrouve dans quelques instants pour le débat qui portera donc sur le rejet du franc CFA. À tout de suite. Nous poursuivons notre tour sur le continent via les ondes et on va à RDC où c'est en principe ce mardi donc débuté dans l'enregistrement des électeurs dans le Kasaï. Jean-Pierre Kalamba, porte-parole de la Commission électorale nationale indépendante, précise que l'opération va durer 90 jours. 3 mois donc, comme pour les autres provinces en effet. Dans le reste du pays, l'essentiel des citoyens en âge de voter se sont déjà fait inscrire sur les listes électorales. L'opération devrait donc prendre fin entre décembre 2017 et avril 2018. Ceci implique un nouveau report d'élections présidentielles en République démocratique du Congo. Sur la côte ouest africaine, le président du Sénégal, Macky Sall, qui a nommé son frère Aliou Sall directeur général de la Caisse des dépôts et des consignations, une décision du chef de l'État donc qui a suscité l'indignation des Sénégalais. Aliou Sall a été élu en 2014 maire de la ville de Guédiawaye en banlieue dakaroise, président donc de l'Union des associations d'élus locaux, président de l'Association des maires du Sénégal avec le soutien du parti au pouvoir. Il est également administrateur à la Banque du Dakar et était jusqu'à récemment le représentant de PetroTeam, une multinationale des hydrocarbures en Afrique. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. En arrivant en Europe, je voulais d'abord faire comme les habitants de l'Europe, m'assimiler, m'intégrer dans la vie de la France, donc respecter les lois et pouvoir chercher le boulot. Je ne vis pas du tout mon rêve en France, parce qu'en fait, je pensais qu'ici, c'était le paradis. Oh, c'est difficile comme tout le monde, hein. Il y en a qui sont vraiment de la vraie diaspora, qui vont à l'école, qui sont des licenciés, mais il y a trop du banditisme de la diaspora ici. Il faut qu'on puisse faire comprendre aux jeunes que quand on est dans un pays, on respecte la loi de ce pays-là.
C'est donc dans le strict respect des lois de la France que nous allons réfléchir ce soir sur le rejet, le très fort rejet du franc CFA, le franc des colonies françaises d'Afrique. Monnaie utilisée depuis plus de 50 ans. Rappelons donc que c'est en 1945 qu'un décret du président Charles de Gaulle qui donc crée cette monnaie qui est aujourd'hui utilisée. 50 ans après donc l'indépendance de ces pays africains, on trouve encore une quinzaine de pays africains qui utilisent cette monnaie et ce sont des populations qui s'emparent de ce combat. Les réseaux sociaux sont enflammés depuis plusieurs semaines et très récemment donc c'est Kémi Séba qui fait partie des icônes aujourd'hui de ceux qui rejettent cette monnaie-là qui a été expulsée du Sénégal. Pour en parler ce soir, nous sommes avec Abdelaziz Moundé qui est journaliste activiste, fait partie de ces Africains aujourd'hui qui ont choisi de mener très pacifiquement le combat et d'encourager les uns les autres à la résistance. Abdelaziz Moundé, dites-nous, pourquoi avoir choisi ce combat? Je pense que ça coule de source et puis je pense que c'est quelque chose qui devrait être naturel et partagé. La France exerce des fonctions régaliennes dans 14 pays, alors que ces pays sont censés avoir accédé à l'indépendance depuis 1960, soit depuis 57 ans. Les fonctions régaliennes, elles sont doubles. C'est celle de la monnaie et c'est celle de l'armée. Vous êtes sans savoir que la France dispose de 8 bases militaires et points d'appui sur le continent. Elle a 16 accords militaires et de défense avec beaucoup de pays africains où elle a mené des interventions comme avec l'opération Licorne en Côte d'Ivoire ou Sangaris plus récemment ou avec Barkhane au Sahel, donc dans le Mali. Et ces fonctions régaliennes là dans le domaine de la monnaie sont encore plus pesantes et flagrantes. Je rappelle quand même que dans les deux conseils d'administration de la BEAC, donc la Banque des États d'Afrique centrale, et de la BCAO, la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, il y a 4 administrateurs, donc 2 de part et d'autre, qui disposent du droit de veto. C'est-à-dire que sur les 6 pays de la CEMAC, donc de la BEAC en Afrique centrale, le Cameroun, le Congo, la Guinée équatoriale, le Tchad, la République centrafricaine, ces pays-là, si elles prennent des décisions, si les administrateurs de ces pays-là prennent des décisions et que l'administrateur français n'est pas d'accord, s'il oppose son veto, eh bien, ça ne passera pas. Autre chose, c'est l'impression de la monnaie physique du CFA à Chamalières en France. Évidemment, l'Afrique est importatrice de biens manufacturés. Ce n'est pas simplement avec des billets qu'on dira que l'Afrique ou les pays-là ne doivent pas importer des biens de l'étranger. Non, c'est que, comme disait Marcel Mauss, la monnaie est un fait social, est un fait politique. Je crois que Kakono Dutpo, Tunjian Pomi qui a écrit « Monnaie, servitude et liberté » en 1974, nous l'ont suffisamment rappelé. Donc c'est une question de pleine souveraineté, c'est une question de maîtrise de son destin, ce d'autant plus que dans l'analyse que nous allons faire de la question du CFA et de son rôle dans soit l'émergence, soit le retard ou le développement des pays africains, on voit très très bien qu'il est impératif, comme le font les autres pays africains, parce que je rappelle qu'il y a 48 monnaies en circulation sur le continent et que la plupart des pays du continent qui sont en situation d'émergence, donc l'Afrique du Sud, le Nigeria ou le Botswana, disposent d'une monnaie propre avec une banque centrale qui gère de manière souveraine. Bien. Abdelaziz, alors la semaine dernière, nous avons reçu le professeur Nicolas Agbou, qui est donc fait partie aussi des figures de proue sur le rejet de cette monnaie-là. On n'a pas vraiment eu le temps de pénétrer dans le vif du sujet par rapport à la pauvreté sur le continent, faire vraiment le lien entre le franc CFA et la pauvreté sur le continent. Mm-hmm. Quelle lecture en faites-vous? Oui, enfin, je pense que la monnaie, c'est un instrument qui a une triple vocation, c'est-à-dire que c'est une unité de compte. Une unité de compte, c'est que voilà, ça permet effectivement de compter, c'est que et c'est un intermédiaire des échanges. Donc ça permet d'acheter, de d'échanger, et puis c'est aussi une réserve de valeur. La réserve de valeur, on a un compte d'opération qui est basé dans les lignes, dans les cahiers du Trésor français et qui est géré à partir de Paris. Donc la Banque de France et le Trésor français gèrent les réserves de change des pays de la zone franc, donc ces 14 pays-là. Et réserves de valeur, c'est tout simplement quoi? C'est quand vous exportez du cacao, du café, du bois, du thé, comme la plupart de ces pays-là le font, il y a une partie qui reste sur un compte d'opération et qui permet de couvrir ce qu'on appelle des mois d'importation. Donc 3 mois d'importation, par exemple, pour des pays comme le Cameroun, le Tchad, le Guinée, sont faites par
par le biais du compte d'opération, parce que vous avez besoin de devises pour acheter à l'extérieur, et donc c'est à la France de vous les procurer pour que vous puissiez les acheter. Là encore, on est dans une relation de tutelle, et que quand on a besoin de financer de la croissance et le développement, que ce soit au niveau des banques pour que l'économie puisse circuler, les PME puissent bénéficier de crédits, ou que les États puissent avoir des avances pour non seulement les salaires, parce que ça c'est le fonctionnement, mais aussi l'investissement, les routes, les ponts, les écoles, les dispensaires, il faut que les États aient de l'argent. Or, ces pays africains couvrent à 100% aujourd'hui leur émission monétaire. Avant, ils les couvraient à 50 voire 40%. Aujourd'hui, c'est 100%. On ne comprend pas pourquoi le compte d'opération est toujours logé à Paris. Pourquoi c'est du bon vouloir que Paris que dépendent effectivement les octrois comme autant féodaux ou monarchiques en France, les octrois de financement au continent africain. Je rappelle quand même que il a fallu qu'un ministre ivoirien, M. Boabré, s'insurge contre le fait que les intérêts des réserves de change étaient versés aux pays de la zone franc comme étant des crédits d'aide au développement. Et il a fallu effectivement donc qu'il s'insurge contre cela pour que ce soit mentionné de manière explicite depuis quelques années, que ce soit mentionné donc il s'agit d'avance justement sur les réserves de change. Donc la litanie ou le florilège d'éléments de domination, d'éléments de tutelle du CFA est long. Mais l'impact sur le développement, donc lié à la pauvreté, il est grand. Il est évident que quand vous n'avez pas la maîtrise de votre destin, vous ne pouvez pas disposer de votre argent à votre guise. On ne peut pas donc espérer que ces pays-là s'en sortent ou sortent de la pauvreté endémique dans laquelle est plongée la plupart de ces pays, ou tout au moins la totalité, et avec une monnaie dont ils n'ont pas du tout la maîtrise. Sommez de vous couper. Moi, j'insiste un tout petit peu parce que la semaine dernière, on a écouté le professeur Nicolas Agbaou et il est clair qu'il y a eu, il y a quelques semaines, un mini-sommet sur l'immigration clandestine. Et apparemment, la question du franc CFA, on n'en parle pas du tout. On a l'impression qu'il n'y a pas un réel lien. Et pourtant, ce sont les dirigeants de ces Africains qui étaient à Paris. Pourquoi ? Mais mon cher Juvenal, on ne peut pas parler de la question du CFA. Pourquoi ? Parce que la question du CFA, justement, est une question démocratique. La monnaie est une question démocratique aux États-Unis, en France, en Allemagne, partout, parce que les gouverneurs de banques centrales dans ces pays-là, de la réserve fédérale aux États-Unis, vont devant le Parlement pour expliquer et faire évaluer leur gestion monétaire. Ce qui n'est pas le cas sur le continent. On n'a jamais vu un gouverneur de banque centrale, ni à Dakar, ni à Yaoundé, venir expliquer comment il gère sa monnaie. Même dans le cadre de Parlement de l'UEMOA, donc sous-régionaux, l'UEMOA ou de la CEMAC. Alors, n'attendez pas que la question du CFA, qui est une question qui est vraiment un des marqueurs, un des fétiches du lien tutélaire qu'il y a entre Paris et son ancien empire colonial, de toujours un ancien précaré, son précaré en Afrique, donc son ancien, l'émanation de son empire colonial. N'attendez pas que une question comme ça soit mise à l'ordre du jour. C'est Paris qui définit l'agenda, c'est Paris qui définit l'ordre du jour, ce ne sont pas les pays africains. Donc, même si les pays africains souhaitent que la question du CFA soit mise à l'ordre du jour, peut-être que tout cela sera passé à la trappe parce qu'on n'en veut pas, parce que c'est une question qui gêne. Et je rappelle que si aujourd'hui on parle du CFA, c'est parce que c'est la rue africaine qui gronde. C'est parce que les réseaux sociaux et un certain nombre de personnes, d'intellectuels, c'est vrai, mais de jeunes, vous avez parlé tout à l'heure des activistes comme Kémi Séba, de figures, s'insurge contre cette logique. C'est d'ailleurs pour cette raison que ça commence à faire grand bruit, sinon on n'en parlerait pas. La question du CFA est restée entre le chef de l'État français et celui qui gérait les affaires africaines, donc M. Jacques Foccart, et les chefs d'État africains. Et il y a des intermédiaires, ce sont les technocrates des deux banques centrales. Les deux banques centrales qui sont retournées en Afrique, dont les sièges ont été transférés en Afrique à partir de 1973. Donc entre 1945 avec la mise en place de la monnaie en 1973, c'est à Paris qu'on gérait totalement la monnaie. À partir de 1973, les deux banques centrales ont été transférées donc sur le continent. Et comme ça, il a fallu que des chefs d'État grondent, parfois élèvent la voix pour que la question des réserves soit ramenée, soit passe de 80 à 50% ou de 100 à 70% et de 70 à 50% comme ça l'est aujourd'hui. Donc c'est une bataille de sens, c'est une bataille d'époque et c'est une bataille aussi de souveraineté qui est engagée parce que les questions de
pauvreté, d'émergence, de développement sont très liés avec la question de la maîtrise de la monnaie. Vous voyez, pour terminer dans cette séquence un peu la question géopolitique et géoéconomique avec la Chine. Tous les grands pays exigent que la Chine réévalue sa monnaie parce que la Chine a utilisé sa monnaie comme une arme depuis une trentaine d'années pour ses exportations. Mais la Chine ne le fait pas parce que dans les rapports de force, la Chine pèse d'un poids important. C'est aujourd'hui l'un des banquiers du monde avec Exim Bank qui prête à tout le monde entier. C'est aujourd'hui l'un des banquiers du monde avec la Chine qui achète des obligations du trésor américain. Donc dans les rapports de force, la Chine pèse. Vous voyez donc que dans ce cas de la Chine, techniquement la Chine doit avoir une monnaie évaluée puisqu'elle a une économie forte. Elle est passée d'une économie vraiment en voie de développement à une économie émergente et elle est la deuxième puissance économique aujourd'hui. Mais elle ne veut pas du tout réévaluer sa monnaie alors que techniquement elle doit le faire. Ça veut dire que la monnaie reste une question éminemment politique, une question de souveraineté, comme beaucoup de pays en ont fait la démonstration. Abdelaziz, comment expliquer qu'aujourd'hui c'est la rue qui s'empare de cette question alors que dans les programmes par exemple des partis politiques africains de l'opposition, on n'en parle pas? Oui, quand il y a un proverbe au Camerounais qui dit que quand on a posé des pierres sur le couvercle de la marmite, l'eau essaye de s'échapper par tous les moyens. Donc cette eau-là, ce bouillonnement-là, va finir par faire exploser la marmite. Alors là, faire sauter, c'est arader, comme on dit. Pourquoi? Parce que il y a cette coterie, ce lien qu'on a qualifié d'incestueux entre les chefs d'État en Afrique, qui sont parfois placés, soutenus, adoubés, dont les exactions sont souvent couvertes par Paris, et aussi les dirigeants français. Parce que, en fait, l'Afrique, les 14 pays constituent ce qu'on a appelé le précaré. C'est-à-dire que c'est l'espace sans lequel la France n'aurait pas de stratégie, n'aurait pas de déploiement possible sur le plan militaire, sur le plan économique ou sur le plan géopolitique. Je rappelle quand même que ces pays-là font partie constitue la moitié des francophones dans le monde. Il y a plus de 200 millions de francophones dans le monde et en Afrique francophone, il y a 100 millions. Donc en Afrique subsaharienne, il y a 100 millions de francophones. Il y a 14 pays qui sont des voix que De Gaulle avait fait valoir pour que la France consolide son rôle, sa place au Conseil de sécurité et puis aussi un espace de déploiement pour la diplomatie économique et la diplomatie d'influence française. Donc cette question-là reste, si elle n'est pas posée de ce point de vue-là, on va dire que le franc CFA, par exemple, c'est 1% de la masse monétaire de la France, que ça ne représente pas grand-chose. Oui, ça ne représente pas en valeur, mais sur le plan stratégique, géoéconomique, géostratégique, c'est quelque chose de déterminant et d'important pour la France. Le général de Gaulle ne s'en cachait pas. Certains autres leaders et responsables politiques français qui étaient moins hypocrites l'ont dit. Et c'est pour cette raison que c'est la rue africaine qui s'en empare, parce que les coteries entre les chefs d'État et l'État français sont évidentes. On a vu Alassane Ouattara et Emmanuel Macron venir réaffirmer l'importance du CFA, alors même que la Côte d'Ivoire est un pilier de la zone UEMOA, et la zone UEMOA avait déjà un projet clair de mise en place d'une monnaie commune qui était préalablement désignée l'ECO, donc qui réunirait l'ensemble des pays de la CDAO et de l'UEMOA, donc de la zone franc et de l'UEMOA, incluant le Ghana, le Nigeria, la Sierra Leone, le Liberia, donc des pays qui n'utilisent pas le CFA. Donc on allait vers une monnaie commune en 2020. Il y a une indication de Manuel de Souza, qui est président de la commission de l'UEMOA, que cette monnaie ne verrait pas le jour avant 5 ou 10 ans, parce que techniquement les critères qui avaient été mis en place de convergence, d'inflation, etc. ne sont pas communément respectés. Mais toujours est-il qu'il est étonnant que la Côte d'Ivoire, qui est un pilier de la zone franc de l'Afrique de l'Ouest, fasse en deçà des Pyrénées quelque chose et au-delà disent complètement le contraire. Donc c'est pour cette raison que la rue africaine est obligée, les Africains sont obligés de faire exploser la marmite à partir justement de ce bouillonnement à la fois de la rue, des réseaux sociaux et de la société civile. Composez vite le 04 78 21 05 95. On vous attend. Pour ceux et celles qui prennent notre image que maintenant nous recevons ce soir Abdelaziz Moundé, il est journaliste, il est activiste, il fait partie de ceux qui aujourd'hui donc rassemblent les foules au niveau de Paris et autres villes de la France
pour dénoncer tous les maux qui minent le consonable Aziz Moundé. Ce soir, nous réfléchissons sur le rejet massif des populations africaines. Et apparemment, donc, les dirigeants africains eux-mêmes semblent muets, semblent silencieux, un silence assourdissant. Et j'insiste un tout petit peu pour comprendre pourquoi même les partis d'opposition, les partis politiques d'opposition, c'est-à-dire ceux-là qui ne sont même pas encore aux affaires, qui ne sont pas, on va le dire, adoubés par la puissance tutélaire, pourquoi ceux-là ils n'inscrivent pas le rejet ou plus que l'abrogation du franc CFA? Oui. La question est celle-là, Aziz. C'est-à-dire, même ceux qui ne sont pas au pouvoir n'osent pas. Oui, mais c'est une question, mon cher Julien, c'est une question très, très pertinente. Pourquoi? Parce que, en fait, ça renvoie à quoi? Ça renvoie finalement à la construction des partis politiques, à leur densité, à leur. Finalement, à la qualité du personnel politique sur le continent depuis le retour du multipartisme ou l'avènement de la démocratie avec le vent de l'Est en 90. C'est-à-dire que les préoccupations africaines, le panafricanisme qui, je le rappelle, n'est pas l'affaire des seuls Africains du continent, mais des Afro-descendants. Je rappelle quand même que pour l'abolition de l'esclavage et pour les indépendances, il a fallu que des Haïtiens, des Guadeloupéens, des Martiniquais, des Américains, des Noirs américains, des Jamaïcains, comme Garvey, Patmore, Antoineur, Firmin, Dubois, se lèvent et s'élèvent pour, à travers des congrès panafricains, inspirer des gens comme Nkrumah, des personnalités, des hautes figures comme cela, pour qu'on aboutisse aux indépendances. Aujourd'hui, le panafricanisme a pris des formes nouvelles et diverses en s'adaptant aux réalités de l'époque. Mais on ne sent pas chez les partis politiques, au sein des partis politiques africains, qui pourtant, dans les années 40, 50, étaient des partis panafricains. Le Rassemblement démocratique africain, qui avait été fondé par Oufuette Boigny, et dont l'UPC au Cameroun et l'ANC et d'autres partis que les autres partis ont rejoint, eh bien, on n'a plus cette dimension panafricaine dans les luttes politiques. Donc, ça fait que les partis sont réduits à des questions domestiques. On a vu une tribalisation et une ethnicisation des partis sur le continent. On a vu des partis qui sont préoccupés plus par avoir des députés et des prébendes à l'Assemblée nationale et conquérir des positions de privilège dans le pouvoir plutôt que des questions structurelles ou des questions de fond comme celle-là. C'est pour cette raison que, effectivement, ça reste un mystère. Si les partis politiques rejoignaient la société civile, eh bien, évidemment, cette question serait posée dans le Parlement. Cette question serait plus ample, cette question serait plus amplifiée et peut-être on aurait une solution politique un peu plus viable. On a entendu plusieurs fois le président tchadien Idriss Déby rejeter cette monnaie et apparemment ses pairs semblent ne pas le rejoindre dans ce combat. Pourquoi? Oui, mais vous savez que sur le continent, ça encore c'est l'histoire en long cours. Nous est Sylvanus Olympio avait choisi étant président du Togo jusqu'en 63, de sortir de cette zone CFA en mettant en place une monnaie qui serait commune avec le Ghana, parce que le Ghana historiquement avec le Togo ont des liens par si n'eût été la conférence de Berlin en 1884, aujourd'hui ce serait le même pays, ce serait la même entité tout au moins. Alors il a été isolé aussi à l'époque. Modibo Keïta ou Sékou Touré n'ont pas souvent été suivis collectivement par les autres pairs. Eh bien, bis repetita aujourd'hui, Idriss Déby le dit, si Obiangema le rejoint le lendemain, Sassou Nguesso et Biya, peut-être qu'il y aurait quelque chose de plus fort. Mais quand les chefs d'État africains prennent l'initiative, comme celle du président Biya l'année dernière, quand il y a eu des rumeurs de sur le CFA l'année dernière et cette année, il a convoqué un sommet avec un ministre français, Michel Sapin, de ministre des Finances, et la directrice générale du FMI, Christine Lagarde, de français, et ses chefs d'État de la zone CEMAC pour discuter des ajustements qui permettraient de ne pas dévaluer. Donc les chefs d'État sont dans le cadre de cette monnaie, dans le cadre de la gestion de cette monnaie, avec ses rentes, avec sa logique coloniale, avec ses prébendes, avec ses privilèges, et non pas dans une logique où on s'affranchirait avec tout ce qu'on a aujourd'hui. Je rappelle quand même que le Cameroun, le Tchad, le Sénégal, le Gabon, le Bénin ont des économistes de haut vol qui ont été directeurs généraux, adjoints, qui ont occupé de hautes fonctions dans les instances financières internationales, dans les grandes banques, à la BAD, évidemment, mais aussi de manière plus large. Mais on ne comprend pas pourquoi
En Afrique, on a des monnaies qui ont une stabilité remarquable, celle du Botswana, celle de l'Angola, celle de l'Afrique du Sud. On ne comprend pas pourquoi l'Afrique ne peut pas inspirer l'Afrique de ce point de vue et permettre à des zones comme celle de la CEMAC ou de la CDAO aujourd'hui, de l'UMO autant pour moi, aujourd'hui de disposer d'une monnaie gérée de façon autonome. Donc les chefs d'État sont pris sous l'étau de ces rapports de force, de ces rapports géopolitiques. Il y a beaucoup qui jouent la montre, ils jouent leur mandat et ils s'en vont, ce n'est plus leur problème. Beaucoup aussi qui préfèrent se taire, faire le dos rond, laisser que le vent passe, laisser que l'agitation ou les orages passent. Mais je crains que l'orage actuel ne soit semblable à celui d'Irma, toute proportion gardée, celui d'Irma qui frappe durement la Floride et puis les Antilles, que cet orage-là soit tellement fort qu'on finisse justement à forcer la main à ces chefs d'État pour que enfin le problème soit posé de manière commune, de manière collégiale et panafricaine. Bien, nous allons permettre à notre invité de souffler un petit instant, on revient dans quelques secondes. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Pour ceux et celles qui se joignent à nous, car à ce moment, nous recevons ce soir Abdelaziz Moundé. Il est journaliste, activiste des réseaux sociaux, il fait partie de ceux-là aujourd'hui qui rassemblent les foules au niveau de Paris et bien sûr d'autres grandes villes de la France pour dénoncer ces maux qui minent le continent africain. Dans le dernier cas de notre émission d'Abdelaziz Moundé, une fois de plus, bonsoir et merci d'être des nôtres. C'est moi qui vous remercie. On aimerait comprendre, en fait, aujourd'hui, quand on parle de francs, des colonies françaises d'Afrique, il est clair qu'en fait, le jeune Africain ne s'y reconnaît pas. Mais apparemment, même c'est plutôt le rejet que cela semble susciter. Est-ce que cela pourrait encore durer, Abdelaziz Moundé? Ah oui, moi, à titre personnel, je souhaiterais que dès la semaine prochaine, effectivement, qu'on amorce totalement le processus de sortie. Mais vraiment, si mes voeux pouvaient être aussi exaucables que ceux de mes compatriotes au Cameroun ou bien de mes frères africains, eh bien je m'en réjouirais, cher Juvenal. Mais aujourd'hui, on voit très très bien que ceux qui l'utilisent, parfois même ceux qui le défendent, sont dans une logique de confort, parce que c'est habituel, parce que c'est devenu presque naturel. On est né, on a trouvé cette monnaie, les choses vont être stables, parce que je rappelle que les caractéristiques du CFA sont quand même sa fixité, donc la fixité du taux de change, la convertibilité, la libre convertibilité de la monnaie, la stabilité de cette monnaie, la solidarité, c'est-à-dire que tous les pays déposent sur le compte d'opération un montant précis de réserve. Donc il y a un certain nombre d'avantages comme ça que des pays ont tiré, notamment par la stabilisation de cette monnaie. Bien, Aziz, excusez-moi de vous couper, comme le temps qui nous est parti arrive inexorablement vers la fin, ils sont nombreux les auditeurs qui ont essayé de nous joindre. On va quand même permettre à un ou deux de pouvoir intervenir, on va prendre la question de nos auditeurs, reste en ligne. Merci. Participez à l'émission Tam Tam Tropical. Appelez le 04 78 21 05 95. 04 78 21 05 95. Un auditeur nous a rejoint. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. En fait, je me permets de vous appeler par rapport à... Je vous entends très mal, monsieur. Je me permets de vous appeler par rapport à votre émission. Oui. Donc là, je crois que vous discutez sur le front CFA. Je dois avouer que la qualité de sonore est vraiment de très mauvaise qualité. Je ne sais pas si on n'a pas le réseau là. Vous êtes-ce que vous pouvez bouger un tout petit peu? Vous m'entendez? Un tout petit peu mieux, allez-y. Voilà. Donc, je disais par rapport au franc CFA. Donc là, vous avez l'un de vos invités qui parlait de ses interventions sur les réseaux sociaux et bien d'autres. Je suis vraiment cru dans ce que vous avez fait. Vous avez joué la musique de Kenya qui disait trop de blabla. Oui, donc les Africains, on a la casse. On gueule, on n'agit pas. Là, vous dénoncez le franc CFA. Qu'est-ce que vous mettez sur la table? Vous dites, on laisse tomber le franc CFA et on va avec tel. Vous avez des solutions à apporter dans vos débats? Est-ce que vous avez des solutions à apporter? La question est posée. Cher auditeur, comme la qualité sonore est vraiment de très mauvaise qualité, on retiendra votre première question. La question aussi, en substance, c'est quelles solutions proposons-nous? C'est bien cela? Tout à fait. Merci. Aziz.
Ah oui, mais justement, tout à l'heure, je parlais de la question du confort. C'est une question 100 fois entendue, 1000 fois entendue par les Africains qui se contentent de vivre de manière absolument servile dans la situation actuelle. Il y a des solutions qui sont très, très claires, nettes, de moins 3 ordres. Un, celle qui est prônée par des économistes comme Kaku Nubukpo et bien d'autres sur le continent, c'est que cette monnaie, désormais, soit adossée à un panier de devises. C'est-à-dire que le dollar, le yuan, puisque aujourd'hui nous sommes devenus théoriquement une zone yuan, genre renminbi, donc la monnaie chinoise, et puis également à l'euro, puisque nous sommes déjà arrimés à l'euro, avec la différence qu'en étant arrimés à l'euro, nous sommes dépendants de la situation économique d'une zone très très forte, avec des pays qui caracolent en tête des puissances économiques mondiales, alors que nous sommes justement dans le bas du classement. Donc, première chose, c'est d'arrimer la monnaie en l'état à un panier de devises pour pouvoir effectivement avoir des fluctuations qui correspondent à notre situation économique réelle. Deuxièmement, c'est que les projets qui sont amorcés depuis 1973, je dis bien, il ne s'agit pas de moi, puisque mon cher frère et auditeur demande quelles sont les solutions, ce n'est pas de la parlotte. Quand on règle un problème, on parle d'abord, on parlemente, on discute avant de trouver la solution. Donc ceux qui parlent, et je rappelle que les réseaux sociaux, ce n'est pas simplement de la parlotte, on a vu des présidents élus dans certains nombres de pays, notamment les États-Unis, grâce aux réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux, ce n'est pas que de la parlotte, d'une part. Et de deux, concernant effectivement cette mobilisation, c'est de dire que la question de la monnaie n'est pas simplement une question économique, c'est un fait social, c'est un fait politique, et qu'il faut que désormais, les Africains, qui gèrent la monnaie en zone BEAC et en zone BCAO, puissent rendre compte de leur gestion monétaire pour qu'on puisse l'évaluer et que la monnaie soit orientée vers le financement du développement, vers le financement de la croissance, vers la lutte contre la pauvreté, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Ça suppose que le projet de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, ce projet-là soit mené à terme. Je rappelle que, quand même, les résolutions de l'UEMOA ont été claires. À l'horizon 2020, il y avait une monnaie africaine qui était prévue, une monnaie d'une sous-région africaine. Je rappelle aussi que la Tanzanie, le Burundi, le Rwanda, le Kenya, l'Éthiopie sont avancés dans leur projet de monnaie commune, c'est l'East African Community, et dans moins de trois années, on verra dans cette zone-là une monnaie commune nette. Pourquoi je suis en train de rappeler ces exemples? C'est que les alternatives existent déjà en termes de projets sur le continent, mais il y a aussi des monnaies qui existent sur le continent. Moi, j'ai cité tout à l'heure le cas du Botswana, j'ai cité tout à l'heure le cas du Ghana, j'ai cité tout à l'heure le cas de l'île Maurice, des Seychelles et du Cap-Vert. C'est quand même les pays les plus dynamiques économiquement sur le continent. Des pays qui ont réussi à réduire sensiblement la pauvreté au sens des objectifs du millénaire pour le développement de l'ONU en matière d'éducation, de mortalité infantile, d'accès aux soins, de fourniture de l'école gratuite et des soins de santé. C'est des pays qui aujourd'hui ont diversifié leur économie, qui passent à des phases de transformation des matières premières. Le Botswana est en train d'être qualifié pour passer au stade de pays émergent après l'île Maurice, qui a d'abord été une économie sucrière, ensuite une économie touristique et aujourd'hui une économie de services et de finances. Et le Rwanda est en train d'en donner l'exemple. De 1994 à 2014, sur un exemple très simple en matière de tourisme, il y avait 300 touristes à Kigali. Aujourd'hui, il y en a 2 millions. Et c'est un pays qui gère sa monnaie. Donc ça veut dire que sur le continent, nous avons des exemples de pays autonomes qui peuvent gérer leur monnaie par eux-mêmes et qui ont une théorie, qui ont une théorisation de leur gestion monétaire qui peut inspirer ceux de la zone BEAC et ceux de la zone BCAO. Bien, est-ce que l'auditeur a suivi la réponse? Oui, mais allô, effectivement, je vais reprendre le problème autrement. Donc, j'ai bien compris le speech, l'histoire que vous avez donné. Et ce qui m'a beaucoup, un peu dans votre discours, c'est que vous avez parlé de transformation de matières premières et vous avez parlé aussi de tourisme. Donc, là, vous abordez aujourd'hui le problème de la monnaie. La monnaie, avant de parler de la monnaie, il faut parler du développement. Quand vous négociez vos contrats avec les pays occidentaux, vous négociez à 90-10. Sachez négocier vos contrats et sachez mettre aussi en valeur, vos compétences intellectuelles et vos compétences organisationnelles pour le développement de votre pays avant de venir parler de changer de monnaie. Parce que quand vous allez vouloir changer de monnaie et que au niveau de vos contrats,
part au niveau de vos entreprises, votre plus-value ne vaut rien, votre monnaie ne va rien valoir. Apparemment, alors je dois vraiment souligner que la qualité sonore est, est très mauvaise. Pourriez-vous vraiment poser la question simplement, s'il vous plaît? Non, là, ce n'est pas une question, c'est une suggestion. Contribution. Voilà, aujourd'hui, le problème du CFA, vous l'abordez d'un point de vue financier. Avant d'atteindre ce plan financier, vous parlez, vous pensez plutôt projet de développement interne. Qu'est-ce que la matière grise africaine peut apporter à son pays, à son continent, en termes de développement? Donc là, on a parlé des transformateurs de matières premières, on a beaucoup d'ingénieurs qui sont à l'étranger, qui sont assis et qui bouffent et fuient, mais ils ne veulent pas rentrer au pays, ou certains qui rentrent au pays et puis tombent dans la corruption, et puis après, derrière, bon, les paroles restent, et puis bon, après, les actes ne suivent pas. Bien. C'est entendu, cher auditeur. Merci. On s'excuse pour la mauvaise qualité sonore. On espère qu'elle sera meilleure la prochaine fois. Merci à vous. Pour répondre à l'auditeur, pour apporter un pan de réponse à l'auditeur. Ce soir, nous réfléchissons sur le rejet qui est très fort de cette monnaie, qui est un symbole fort de la domination coloniale. On parle bien du franc des colonies françaises d'Afrique. Il n'y a plus de colonies en Afrique. Ces États sont indépendants depuis plus de 50 ans, mais cependant, dans plus de 10 pays, après une quinzaine de pays africains, on utilise encore le franc CFA. Le professeur Nicolas Abou a présenté de manière générale, de manière très très rapide en fait, la semaine dernière en fait, l'implication de cette monnaie sur les économies africaines et sur la pauvreté. Et ce soir, nous dénonçons, il faut le dire clairement comme cela, nous dénonçons en fait cette monnaie qui aujourd'hui appauvrit plus qu'autre chose en fait ces pays africains. Et il est clair que le Poussabou nous disait la fois dernière, et c'est vrai que les dirigeants africains n'en parlent pas. On peut comprendre que c'est pas évident pour eux d'aborder cette question. Et même les partis de politiques d'opposition sur le continent n'abordent pas cette question. Un silence assourdissant qui inquiète plus d'une personne. Abdelaziz Moundé, nous reste à peu près 3 minutes. En définitive, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait, que les économistes africains ont proposé plusieurs possibilités pour sortir de cette monnaie. Aujourd'hui, on en parle, mais cependant, ça semble bloquer ce côté politique. Est-ce que ça pourra encore tenir longtemps? Ça va tenir longtemps tant que, effectivement, les complices de ce système sont à l'œuvre. Les forces d'inertie, je vous rappelle que les forces d'inertie, ce sont justement ceux qui dirigent le continent, ce sont les cadres des banques centrales, hein, que ce soit la BEAC ou la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, qui ont des privilèges absolus et énormes. Ils ont, que ce soit en termes salariaux, que ce soit en termes de privilèges, que ce soit en termes aussi, d'extraversion des ressources. Vous avez beaucoup d'élites africaines qui, grâce au CFA, peuvent acheter leurs appartements à l'étranger, à Paris, consommer, être des élites cosmopolites. Et je pense que ces forces d'inertie-là sont très puissantes, puisque c'est elles qui gèrent, qui dirigent ces pays-là, très puissantes parce que ce sont ces technocrates qui gèrent la monnaie et qui n'ont pas intérêt à ce qu'un autre système dont ils n'ont pas tous les tenants et les aboutissants puisse advenir. Il faut reconnaître que sur le continent encore aujourd'hui, cette monnaie est utilisée et cela semble, je dis bien, semble pas poser de manière pratique un problème et ça peut encore continuer comme cela. Quel est l'impact en fait aujourd'hui de vos actions sur Paris, par exemple? Alors, je crois que l'impact est double, c'est-à-dire qu'il y a une conscientisation et une information plus grande sur un certain nombre de logiques qu'on a appelées néocoloniales, des logiques de domination très subtiles qui n'apparaissent pas souvent de prime abord. Donc cette fonction d'information-là, nous la remplissons, je pense, de manière à plutôt satisfaisante. Maintenant, en termes de mobilisation aussi, c'est très difficile parce que, vous savez, c'est pas évident de mobiliser sur des questions techniques avant qu'il y ait justement cette dernière actualité autour de Kémi Séba avec une première fois le billet brûlé à Dakar qui lui a valu une interpellation, une mise, sous mandat de dépôt à la prison de Rebus où il a passé 2 jours avant d'être relaxé au tribunal. Ainsi que son compagnon d'ONG Bengaleb So, puisqu'il a fondé une ONG qui est basée au Sénégal, Urgence Panafricaniste. Donc avant cette actualité autour de Kémi Séba, qui s'est soldée par une expulsion, finalement quelque chose d'absurde, puisqu'on voit qu'en France, les Africains, avant d'être expulsés,
passe par différents recours au niveau du tribunal administratif, etc., etc., au niveau du préfet, est en Afrique. Un fils de l'Afrique, il peut-être n'est pas sénégalais, il est béninois, mais c'est un fils de l'Afrique, est expulsé manu militari le même jour que la décision est prise. C'est quelque chose d'absolument regrettable. J'ai évoqué son absurdité, mais je ne vais pas revenir dessus. Mais c'est ce qui a permis aussi à beaucoup de personnes de se saisir du cas par son émotion, parce que beaucoup s'en sont indignés et aujourd'hui s'intéressent à la question du Sénégal. Merci Abziz. Malheureusement, enfin, le temps qui nous est parti arrive à son terme. Merci beaucoup pour toutes ces informations. J'espère vous retrouver très prochainement sur cette question et bien d'autres, Aziz. Et moi, bonne soirée et beaucoup, beaucoup de courage. Et bonne soirée à vos auditeurs.